aujourd'hui je vous fais une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais je tenais quand même à vous la faire. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis l'ambassadrice du Girls Day. Alors le Girls Day, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Mais avant cela, c'était pour vous dire aussi que je vous fais un petit concours pour vous faire gagner des billets de train. Il y a 10 billets de train à gagner d'une valeur de 30 €. Donc il y aura 10 gagnants. Pour ce concours, je vous poserai une question à la fin de cette vidéo et puis je regarderai vos réponses. C'est vraiment une question, c'est pas une question où vous devez savoir la réponse, c'est une question en fait pour savoir votre point de vue sur le sujet dont je vais vous parler. Donc c'est une question vraiment, je tirerai au sort les personnes, mais c'est surtout pour avoir votre point de vue. C'est surtout pas une question où vous devriez connaître la réponse. Non, pas du tout. Donc c'est manière d'avoir un point de vue sur le sujet. Maintenant que j'ai parlé du concours, je vais vous parler du Girls Day. Donc le Girls Day, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une opération destinée à faire connaître les métiers techniques de la SNCF aux lycéennes afin de favoriser la mixité dans l'entreprise. Le but étant de dépasser les préjugés du genre. L'objectif en fait de la SNCF autour de ce projet, le Girls Day, est vraiment de donner en fait envie aux filles de bâtir un projet professionnel autour des métiers techniques. Parce que vous savez, comme vous le savez très bien, la SNCF c'est surtout un métier pour les hommes. Du coup la SNCF a vraiment envie de promouvoir la mixité dans ce métier. Donc voilà, moi je suis tout simplement l'ambassadrice de ce projet. Et pour cela, d'ailleurs, pour cela je serai présente ce jeudi. Donc oui, dans 2 jours je serai présente ce jeudi 14 décembre de 9 h à 13 h à la gare Matabio de Toulouse. Donc les personnes qui auront envie de venir nous voir, ben vous serez les bienvenus, surtout les filles, parce que bon, comme je vous le disais, c'est vraiment pour la mixité de l'entreprise. Donc c'est surtout pour les filles, pour qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent aussi travailler à la SNCF et qu'elles peuvent aussi connaître les métiers techniques de la SNCF. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ben, du coup je vous fais un petit concours pour faire gagner des billets de train. Alors le concours est ouvert à tout le monde, à toute la France. Il n'est pas ouvert que aux personnes qui viendront me voir jeudi, enfin qui viendront me voir, non, vous ne viendrez pas spécialement me voir, vous viendrez en fait découvrir le métier et par la même occasion vous viendrez me voir. Mais ce concours n'est pas réservé à ces personnes-là, ce concours est réservé sur YouTube et je tirerai au sort sur YouTube. Donc les gagnantes seront évidemment dans toute la France. Ce ne sera pas les gagnantes qui viendront me voir, qui gagneront et qui viendront me voir. Pourquoi je dis qu'ils viendront me voir? Elles viennent pas spécialement me voir les filles, elles viennent aussi voir, découvrir le métier. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est vraiment un concours que la SNCF a organisé très gentiment pour permettre ben, à certaines personnes de gagner, voilà, 30 €. C'est toujours bon à prendre là pour les vacances de Noël. Si vous avez de la famille à aller voir, ou si vous voulez aller voir des marchés de Noël un petit peu partout dans la France, ben, ça vous donnera l'opportunité de pouvoir avoir ce chèque cadeau et ça vous donnera l'occasion de, voilà, de voyager. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous plaira. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ta chaîne YouTube? En fait, ça n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube, mais moi, comme vous le savez, j'ai vécu des moments pas faciles dans ma vie. J'ai vécu aussi à côté de ça des moments sur les réseaux sociaux non plus pas faciles. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, on est très stéréotypé, on est très critiqué. Le moindre faux pas, on est critiqué. Donc voilà, c'est surtout pour échanger par rapport à ça. Voilà, c'est un petit peu un lien avec tout ça parce que souvent les gens pensent que les métiers comme ça, les métiers où c'est vraiment des métiers masculins, il n'y a que des hommes qui peuvent y travailler. Et du coup, ben, la SNCF a voulu mettre en place ce projet-là pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait mixité au sein de l'entreprise, qu'il n'y ait plus ces préjugés-là. Donc comme vous le savez, nous les youtubeurs, on est très 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 jugés, on est très stéréotypés, donc on est très critiqués, on est très, voilà, on est tout très en fait. Donc du coup, ben, j'avais envie vraiment, quand ils m'ont proposé d'être l'ambassadrice, j'ai accepté. Et pourquoi pas aussi ouvrir des portes à beaucoup plus de personnes que, voilà, un public restreint. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la question. Donc la question sera, parce que je voudrais vraiment connaître votre point de vue sur la question. Donc la question sera, quel est votre point de vue sur la mixité au travail? Voilà, tout simplement. Alors pas que le travail de la SNCF, hein, mais tout le travail, quoi. Tous les travails réunis, quoi. Voilà, que ce soit partout. Comme par exemple les femmes qui travaillent au bâtiment, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est pas une bonne chose? Voilà, ça c'est un petit exemple parce que voilà, au bâtiment en général il n'y a que des hommes et les hommes ont du mal à faire entrer les femmes avec eux sur les chantiers. Je le sais parce que je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans les chantiers et ils ont beaucoup de mal à faire travailler les femmes avec eux. Donc voilà, je voudrais connaître votre petit point de vue. Donc j'attends vos réponses en commentaire, comme ça je tirerai au sort les 10 personnes qui gagneront un chèque de 30 € valable à la SNCF.
Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit projet vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits you.